Hey, salut petit pote, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture et on va s'ouvrir du vraiment récent pour une fois. Enfin ça fait un petit moment que l'extension est déjà sortie, mais vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'ouvrir du EB4 voltage éclatant. Et j'ai 6 boosters pour vous les amis, non même pas 6, 7, qu'est-ce que je raconte? Puisqu'on a 2 tripacks et un booster sous blister, voilà. Parce que en prenant les 2 tripacks, ben il manquait une illustration. Il y avait les 2 cartes promo, mais il manquait une illustration que j'ai dû aller acheter en magasin. La voici. C'était pour avoir les 4 illustrations de booster, t'as capté. Donc une nouvelle extension. Enfin, nouvelle extension. On se comprend bien sûr. Mais c'est une extension qui a mis en place un nouveau type de rareté de cartes qui s'appelle les cartes Amazing. Il y a des cartes vachement sympas dans cette extension, même niveau des full art et tout, t'as des trucs vachement sympathiques. Donc bah voilà, voici mon ouverture de cette extension, on va voir si j'aurai de la chance ou pas, si j'aurai des cartes que j'ai envie d'avoir. J'en achète pas trop parce que juste après, toi-même tu sais, il y a EB4.5 qui sort. Et là, va falloir charbonner si on veut essayer de tenter de choper la carte ultime qu'on n'aura pas réussi à avoir du coup dans EB3.5. Voilà. Donc bah c'est parti, hein, on va s'ouvrir ça. J'ai pris la paire de ciseaux pour le blister et normalement les tripacks, on peut s'ouvrir ça à la main vu que c'est du carton. Donc, je te craque le blister pour commencer. Je vais quand même essayer de séparer les boosters des tripacks. Enfin, je veux dire, les séparer en 2 piles distinctes pour qu'on sache dans quel tripack il y avait quoi. Bon, bah lui, voilà, c'est le booster à part. Ouais, je dis qu'on peut les craquer à la main, mais en fait, c'est pas super simple. Tout compte fait, je crois que je vais essayer de mettre un petit coup de cut par ici. Voilà. Que ce soit un peu plus facile. Alors désolé si je suis un peu hors champ, c'est pas très simple. Ouais, j'ouvre pas souvent des tripas quand même. Voilà. Ah, ceux-là ils sont pas collés avec du scotch là. Les boosters ils flottent à l'ancienne. Boum boum. Le jeton qui est un jeton Ekaizer et je crois qu'on a le même jeton sur les deux. Il doit exister un autre jeton du coup. Enfin, en fait, je sais pas. Aucune idée, les mecs. Hop, la carcasse par terre, le l'Arméléon promo, plutôt sympathique. Ensuite, le deuxième tripack, bah, du coup, ça a bien marché de le cut un peu comme ça. La paire de ciseaux, on n'en a plus besoin. Alors, comment j'avais fait tout à l'heure? J'y arrive plus. Ah, si, ça y est. Je dis ça y est, mais ça y est pas. Allez! S'il te plaît. Si j'arrive pas à tout ouvrir, je pourrai jamais ouvrir le booster. Yes, j'ai fait tomber un booster et j'ai bougé mon trépied. Ça, c'est comme d'hab. Allez, reviens là, toi. Merci. Hop. Bon, je le finis en off parce que là, c'est ridicule. Tac. Le jeton. Le jeton, si c'est cassé la gueule, tu sais quoi, j'irai le chercher après, de toute façon c'est le même. Hop, le Aquali promo donc. Sérieusement, des fois je suis pas doué. Alors j'ai foutu où les boosters? J'ai foutu, voilà, ces trois là. On va les séparer. Donc, alors ça je crois c'est Zarude comme Pokémon. Puis ici on a un Pikachu Gigamax et boum, un Celebi. Sur le deuxième tripack, on a à peu près les mêmes illustrations, je crois. C'est ça, on a exactement les mêmes illustrations sur le deuxième tripack, c'est pour ça qu'il manquait l'autre là, le Astronel. Et on va se le garder pour la fin, voilà. Parce que voilà. Tac, 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 je fais plusieurs piles. Alors, on va commencer par s'ouvrir ces boosters-ci du coup. Let's go les mecs, c'est les boosters qu'on a eu dans le premier tripack du coup, je crois. On va essayer de bien les ouvrir. Comme d'habitude. Je pense que vous commencez à me connaître, hein. Moi j'aime bien. Bon, ok, lui il veut pas bien s'ouvrir. J'ai essayé, mais. J'y suis allé doucement pourtant, hein, je te jure. Hop. Alors c'est parti, on va découvrir l'extension. Ah, les cartes elles ont l'air pas dégueu. Ah, punaise. Ah ouais, mais j'ai fait n'importe quoi là, je me suis spoilé en fait. J'ai touché le devant de la carte rare. Ah, c'est pas malin ça. C'est pas malin, Cider. Bon, alors on commence, c'est parti avec un Kelocroc, les Pokémon de la 8G que je connais pas du coup.
Hop, on va mettre ça là. Suivi de polychambre, miamiasme et voli. Je découvre hein, du coup en même temps que vous, cabriolène. Enfin, je dis en même temps que vous, mais je pense que non, vous connaissez. Énergie, combat, canon, nice. Ah, je crois qu'il existe en full art celle-ci. Graena, oh punaise. Voilà, première carte sympa du lot, Graena, vraiment très sympa. Metang en reverse, une commune reverse. C'est Cabriolène, ah bah, qu'on a eu dans le booster. Et en rare, on le voit souvent voler dans un essaim. Il vole très rapidement, piquant sans cesse ses adversaires de son dard toxique. Ce serait pas à Pyrène? Ah bah non, dard dernier. Bah c'est. Bah non, c'est vrai que à Pyrène il n'y a pas de dard. Ok, à Pyrène. Bah non, je suis toujours sur la Pyrène. Dard dernier en rare. Ok. Deuxième booster. Pikachu, Gigamax. Que j'aimerais bien ouvrir encore une fois, s'il te plaît. Oh, lui, il a l'air de s'ouvrir pas mal, par contre. Ah non, mais non, il s'est mal ouvert sur la fin, allez. Il était presque bon. Je vais peut-être le garder ensuite, parce que c'est pas dit que l'autre, il s'ouvre aussi bien. Je vais le mettre par là-bas, quand même. Boum, 1, 2, 3, 4, 1, 2, je crois qu'ils ont, remis... Ils ont commencé à remettre les codes comme avant, là, dans les boosters EB. Ils remettent les codes à l'envers. Ils sont sérieux. C'est parti, Doudouvé. Wellmer, qu'on n'avait pas eu. Rototo, pas de façon... On n'avait pas découvert toutes les communes là. Chuchmur, Ningal ou Ningal, je sais pas. Moi je dis, j'aime bien dire Ningal ou Ningal en fait. J'ai pas de préférence. Énergie feu, Minotope, sympathique. Les Zenko sont plutôt pas mal. The Blitz, stade de Winscore. En reverse, on a une commune, Pomme de Pique. J'ai cru que ça allait être encore Cabriolène. Et en rare, la 84. Je me rapproche. Il a tendance à se cogner la tête entre la coque des navires et les rochers, mais imperturbable, il continue de nager comme si de rien n'était. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu veux pas faire le focus, là? Pokémon poisson. C'est Marest en rare. What? Il y a une de ses tronches, on dirait un monstre des marais, là, vraiment. Eh ben, on le voit pas souvent, mine de rien, Marest en illustration. Maintenant que j'y pense, ça faisait un bail que je l'avais pas vu. Pokémon qu'on voit pas très très souvent. Là, j'étais vraiment loin d'imaginer. Genre, c'est limite le Pokémon qu'on a tendance à oublier un peu. Allez, toi, ouvre-toi bien, s'il te plaît. J'y vais vraiment doucement. Ok. Un côté, c'est bien ouvert. L'autre côté, je le sens mal. Genre. Si. Ça peut aller. On va dire que ça peut aller, parce qu'à l'arrière, c'est pas ça, mais ça peut aller. Ok, le Celebi, c'est bon. Mais les cartes, elles ont l'air de bonne qualité. Attendez, je vais inspecter ça vite fait, mais franchement... Franchement, ils se sont plutôt remis bien dans B4. Enfin non, en vrai, il y a toujours un petit point blanc. Là, j'ai vu un petit point blanc là-bas. Mais ça va, c'est pas si mal en vrai. Bon, comparé à EB2 et EB1. Donc, Pomme de Pique, Dynavolt, Skelenox, on n'avait jamais eu que sympa. Fampi qui est sympa aussi. Terral, une énergie haut. Ramboum, Watapic, Graena, encore ce joli Graena. En reverse, une traîneur, ce sera la capsule mémoire en reverse. Et en rare, la 111, il produit. Allez, s'il te plaît, fais un petit focus. Il produit du poison dans son corps à partir des ordures qu'il ingurgite selon ce qu'il a mangé. Les compositions des toxines diffèrent. Ouais, ça sent un petit Smogogo ou Grotanmorph, ça. D'accord, merci Max. Ouais, moi je suis trop rétro, je pense pas forcément aux Pokémon qui sont après la 4G, pour être honnête. Bon bah, premier tripack un peu nul, hein, je vais pas te mentir, la pioche merdique. Bon là par contre, j'ai pris le booster du deuxième tripack, regardez-moi comment il est tout chelou. Tout chelou ce booster. Hein. On Zaroudé qu'on a pas bien réussi à ouvrir dans le premier tripack, est-ce que là ça sera une meilleure... Ouais, non... C'est nul. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Toi, je me suis pas spoilé. C'est pas bien de se spoiler. C'est pas ouf. C'est parti avec Cabriolène. Poulpaf qu'on n'avait encore pas eu. Pijako qu'on n'avait pas eu non plus, je pense. Neuf non plus. Anchouette non plus. Une énergie électrique. Graena. Décidément, elle tombe souvent. Énergie arôme plante. Limonde de Galar en reverse, une peu commune reverse, Pifeuille, ah il y a du Tangalis donc dedans, ok.
Et en rare, ah, une ultra, la première de l'extension. Et en ultra, bah c'est vrai que j'ai même pas dit ce que je voulais vraiment en ultra sympa dans l'extension. Là, tout de suite, je pense à Pikachu, Steelix et Drascore. Mais je crois qu'il y en a encore d'autres. On va tirer d'un coup. Attention, c'est. Boum! Astronel. Ok. Bah, c'est vrai qu'il y a Astronel aussi. Il y a aussi Alakazam dans mes souvenirs qui est plutôt pas mal. Ok, bah, c'est une petite V. Alors, on va sortir les sleeves. Vite fait. Parce que quand même. Petit Astronel en V qu'on va mettre sur le côté. Ensuite, on passe au deuxième Pikachu Gigamax et ça, on s'en fout, franchement. Alors, tac, 1, 2, 3, 4. Ah, j'arrive pas à prendre la quatrième. 1, 2. C'était mauvais. Attendez juste une petite seconde. Je viens de penser à un truc. Tac, voilà. J'ai réglé un paramètre sur mon téléphone là. Ça me gênait. Alors, c'est parti avec Thiboudet. Pomme de pique. Dynavolt. Skeinox. Le focus veut plus faire. Ça va un peu mieux. Fampi. Énergie. Oh. Volcaropod. Sympathique, je l'ai pas encore eu. Rhinolove, Capoeira, en reverse. Une Unko. Ah non, c'est pas une Unko, c'est une rare. Je l'ai même pas vu. Fortress. Ouais, preuve que le focus il veut pas bien se faire. Voilà, c'est mieux comme ça. Et en rare, la 3 sur 185. On le voit souvent voler dans un essaim. Ouais, Dardarnier en rare. Je me disais que j'avais déjà vu cette carte. Je me disais. Avant-dernier booster, les mecs. Et ça dit en passant, dernier booster du deuxième tripack. Pour l'instant, la pioche n'est pas folle folle, mais bon, on a une V, c'est toujours ça en vrai. Mais c'est pas foufou non plus. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je sais pas ce que vous pensez, les cartes dans épée et bouclier, genre elles glissent, mais d'une manière très chelou, c'est compliqué de les prendre. Evoli, 9, 19V, Poulpaf, Doudouvet, une énergie combat, Pifeuille, qu'on a eu en reverse, Donna. Nigosier, ça va les Unko en vrai, on a quasiment pas de double à Parapsol. En reverse, une commune, Mediana, ok. Et en rare, sa mâchoire pointue comme une lance est aussi dure que l'acier et sa chair serait contre toute attente succulente. C'est Astacuda, j'allais dire Mastacuda. Astacuda en rare, voilà Pokémon de la 8G, une espèce de brochet là. Ok, bon. Est-ce qu'on peut se rattraper sur le dernier booster là? Le booster que j'ai acheté sous blister à part tous les autres. Pour l'instant, la meilleure pioche c'est dans le deuxième tripack, mais elle est pas folle folle non plus la pioche. On va voir, hein. Dernier booster les mecs, on croise les doigts. Je vais essayer de bien l'ouvrir parce que ben, c'est la dernière illustration en fait. J'en ai qu'un seul de celui-là. Ah, il va pas bien s'ouvrir. Ouais, non, il va pas bien s'ouvrir. J'en reprendrai un autre parce que là, il s'est éclaté comme jamais. Ah, il s'est vraiment éclaté lui, c'est le pire booster des 8, des 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On va voir s'il m'a porté chance. Ok, c'est parti avec Creamy, Anchoate, Mélofée, Pomme de Pique, Moustillon, Énergie, Eau, Limonde de Galar, Sinistrail, Lampérois. En reverse, une commune reverse, Riolu, et en rare, allez, s'il te plaît. Ah, ce sera déjà pas une ultra. Ah, punaise, il faut refaire le focus manuellement à chaque fois. Il est né dans la rancune qu'il a ressentie quand il a été abandonné. Il redevient apparemment une poupée si on en prend grand soin. Je sais pas. C'est Branette. Ah, d'accord, ok, Branette, une poupée à la base. Ok. Bon. Et bah, pioche pas très folichonne, les mecs. On va faire. Vite fait, un petit récap, bougez pas. Enfin, je dis ça, mais bon. C'est compliqué, compliqué. Tac, 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 tac. Tac. Tac, 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 et tac. Bon, normalement, ça devrait être bon. Alors, du coup, en rare, on a eu Dardarnian qu'on a eu en double, mais on verra après. Marest, Miasmax, voilà le Dardarnian. Branette, Astacuda.
En river, on aura eu Mediena, Riolu, Fortress que je trouve plutôt sympa, Pifeuille, Capsule Mémoire, Pomme de Pique et Cabriolène. Et on aura eu une Ultra Astronel V. Voilà. Donc, ma foi, pas très folichon. On verra comment ça se porte pour EB5 et puis pour EB4.5 aussi. Voilà. En tout cas, j'espère sinon que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était plutôt sympa de découvrir une nouvelle extension. Il y avait des unco sympas, genre le Graena. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider. A plus.